Quoi, faut que j'enchaîne déjà un autre stream. Non, mais je peux me sustenter un petit peu. Reprendre des forces entre. Non, ok. Hey, bienvenue à toi dans ce nouveau numéro de The Big Gamoski, vu que je viens d'enregistrer le précédent il n'y a pas de 5 minutes. Et on retourne dans les shoots vintage. Récemment, oui, il m'en reste dans les noms. Récemment, on s'est fait Galaxian, et puis je vous ai fait voir ce que ça donnait vaguement à un clone, et puis. Vu la quantité de clones en fait qui existent, je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas un stream où j'en ferais voir quelques-uns? On va pas en faire 100 000, bien qu'il en existe 1, 2, 3, je compte, hein, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Moi, je comptabilise devant moi, là, 18 clones de Galaxian, qui sont probablement très inintéressants, qui ont juste permis aux gens, les exploitants, de ne pas payer la licence officielle Namco, et donc peuvent s'avérer d'un intérêt discutable. Ceci dit, je tenais à vous en faire voir deux. Tout d'abord, le fameux Kamikaze, que je vous ai fait entreapercevoir par sa borne dans le stream Ode à 50 ans de borne d'arcade, que je vous recommande de regarder, il est en tête des playlists. Et donc, vous allez voir ce que c'est que ce clone Kamikaze, qui n'est rien d'autre qu'un Galaxian à peine maquillé, on va dire. Si la fenêtre veut bien s'afficher comme d'habitude, la voilà pas, la voilà pas, non, la voilà pas. Ok, eh bien on va la recréer, qu'est-ce que tu veux? C'est un petit peu pénible ces petites manies gratuites de stream, ça fait vraiment tout sauf pro, mais bon, je crois que je suis tout sauf pro, donc il y a une certaine logique dans l'utilisation. Kamikaze, veux-tu bien venir avec nous? Tu serais bien aimable. Non, toujours pas. Ah si, le voilà. Donc grosso merdo, dès qu'on est devant ça, on se dit, oh chouette, un Galaxian. Mais en fait, non, c'est pas un Galaxian, les gars, regardez. Regardez mieux. En fait, il y a des petites finesses, parce que selon les versions de ROM, les copies peuvent en faire nettement plus faibles. Les gars sont permis quand même de se faire cacher des fonctions bien élevées. Genre là, on sent qu'on avait quand même des commerçants qui allaient dans les barrières. Et il se trouve que, dès les plus que je originais, donc. Parce que tout à l'heure, vous allez voir qu'il va m'envoyer des barrières complètes pour que je puisse sur le pour espérer se faire passer sur le vaisseau. Pas encore, mais ça ne serait tardé pour le temps. Tout à l'heure, je suis parti sur le vaisseau d'un. Pas pris la peine de changer les sons, quoi, ils sont pas cassés la tête. Okay. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est que le jeu soit rentable. Ok? Vous avez un autre critère? Joli? Non, non, rentable. Ok? Et donc, je mourus. Voilà pour Kamikaze. Je vais vous faire voir l'autre parce que je vais avoir un problème technique sur le lancement, c'est obligé. L'autre, il s'appelle, faut que je retrouve son petit nom, Moon Alien Part 2. Moon Alien Part 2. Alors, qu'est-ce qu'il va nous réserver? Est-ce qu'il veut bien passer sur mon flux? Ce serait déjà la super bonne nouvelle. Est-ce que tu es là, Moon Alien? Moon Alien, entends-tu ma voix? Au loin. Dis quelque chose si tu es là. Oui, mais tu n'es pas sur l'écran, donc nous sommes déception totale. Rebelote! Va-t-il arriver à lancer Moon Alien et l'afficher en même temps? Rien n'est moins sûr, mais pourtant, il ne désespère point, et regardez-moi ça! Oh! Un Galaxian! Eh ben non. Non, 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 non. C'est pas un Galaxian, monsieur. Détrompe-toi. C'est un autre produit de très très haute qualité. Avec un affichage tout en carré qui s'appelle Moon Alien. Et Moon Alien, c'est complètement différent. Tu vas le voir tout de suite, regarde bien. Alors, regarde, c'est pas pareil.
Alors les mecs se sont dit, bah là on va encore pousser la rentabilité, donc on va repomper la ROM, on va vous mettre un tas d'alcoolique. C'est bon, super droit, ça tient droit, mais si je bouge en même temps, je vais me faire bouger avec mon auto. Et en fait, ça facilite un petit peu le jeu. Surtout pour les dernières bestioles, quand on commence à prendre la gueule. Par contre, là ils ont des malins, regardez en bas à droite, regardez la jauge. Oui, on n'est pas du monde, on n'est pas droit de dire que les blagues en jeu. Je veux quand même m'autoriser cet extrême dans le monde des copies des mafieux ou quoi. Donc autant en profiter. Et donc cette jauge, si par malheur, vous ne prenez pas le tableau et que vous passez sous le tir, elle descend à chaque tir. Eh ben c'est le game over aussi. Pas belle la vie pour le quartier. Et oui. Est-ce que mon tir d'alcoolique va m'aider? Oui! Et là, on passe sur un tableau totalement différent. Et on va se la régaler comme on dit. Vraiment, mon tir. Donc c'est assez rigolo d'explorer ce monde des clones, parce que vous tombez des fois sur des choses qui sont parfaitement abjectes, et puis il arrive des moments où vous tombez sur des choses qui sont quasiment plus jouables que la ROM originale. Ça peut arriver. Alors je dis pas ça pour Galaxian. Galaxian il était équilibré, c'est un jeu d'arcade, il est là pour se permettre de la caillasse à la base. Il est pas là uniquement pour vous amuser. Le gameplay de Galaxian n'avait pas à être touché. J'ai suivi le gameplay qu'ils ont greffé là-dessus, il est super marrant. Et le tir orientable, du coup, ça facilite grandement le jeu. Même si la jauge derrière vous met un petit peu la pression. Alors, si vous voulez trop mal, ça va vraiment très très mal se passer pour vous. D'ailleurs, c'est mon premier. Oui, il n'y a pas de problème. Allez, fais-moi ta boucle de la chute qui casse les oreilles à tout le monde. À chaque fois, c'est trop rigolo. Oh, le petit changement de direction. Allez-moi ça. Regardez le four. Terminer le stream dans le jeu, live. Bah bon, ouais, on va terminer normalement en fait. Parce que, vous voyez, finalement, ces clones, il y a des trucs assez intéressants à explorer. Il faut prendre le temps de mettre le pif dedans, parce que des fois, on tombe sur un jeu qui est vraiment un trafic improbable d'une ROM, et qui, du coup, apporte quelque chose par accident, on ne sait pas, volonté souvent. Et c'est vraiment très très drôle de nager au milieu de ces copies de ROM, puisque il y a beaucoup de déchets, mais parfois on peut trouver des trésors. Sur ce, je vous fais des gros poutous, et puis je vous retrouve demain à 19h pour un autre stream qui va sentir le vintage et le vieux cuir râpé. Ciao, ciao!